30 ans d'accompagnement, c'est ce que fête cette année l'antenne locale Les Petits Frères des Pauvres. À l'occasion, bénévoles et personnes âgées se sont réunis pour célébrer et donner un coup d'œil dans le rétroviseur de toutes ces années au service de nos aînés en situation d'isolement. À l'époque, comme je vous disais tout à l'heure, à l'époque où on a plein de réseaux sociaux, eh bien il faut des associations comme ça, il faut mettre de l'humain, il faut aller voir les gens, discuter avec eux, essayer de régler leurs problèmes. Il y a de plus en plus de gens qui sont seuls. Depuis sa création, l'association vise à soutenir les personnes âgées à domicile ou en institution en organisant des visites, des rencontres, des sorties ou encore des mini-séjours. L'émission, c'est principalement de se rendre à domicile chez les personnes âgées donc qui habitent seules afin de leur donner un petit peu de bon temps, de discuter avec elles. Et en plus de ça, donc, il y a des actions collectives. J'ai deux bénévoles en permanence qui viennent me voir chaque semaine. Ensuite, on a les activités au local. On a évidemment les anniversaires avec petits gâteaux et cadeaux. En France, une personne âgée sur quatre souffre d'isolement. Parmi celles-ci, 300 000 sont en état de mort sociale. Avec le confinement qui a fragilisé les liens, l'association est plus que jamais nécessaire. Je pense que la crise sanitaire a fragilisé les personnes âgées. Elles sont encore plus isolées qu'avant. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à refaire surface, à revoir du monde, à ressortir, à se resocialiser. Ça nous permet de rire et puis de voir je ne dis pas la solitude, mais l'ennui. Comme chaque année, une fête de Noël est prévue avec un repas, des animations et une distribution de cadeaux le 23 décembre prochain.